Salut à tous. On va découvrir ensemble ce que Bruno a cassé. Et ben, il vient de casser ça, le Trans Express 500. Ah, il n'aura pas fait long feu, hein. Non. Il est en cours de finition, hein. Il est absolument pas terminé graphiquement. Et je suis en train d'essayer de voir un petit peu. Salut Rafléo, merci beaucoup pour ton resub. Tu ne regrettes pas cette commune. Et bah, nous on ne regrette pas nos viewers. Vous êtes là tous les matins et c'est plutôt cool. Ce bazar là, donc je disais, c'est encore en cours de. Conception. Mais j'ai un problème. Alors au début, j'ai mis le rôle de convoyeur, c'était cool. Le problème, c'est que le convoyeur ne peut pas avoir de moteur. Le convoyeur ne peut pas. On peut pas rentrer dans un convoyeur comme un véhicule. Donc j'ai fait un véhicule type personnalisé. Ça marchait à peu près. Et puis là, je me suis dit, mais. Ah! On a un truc dans Farming 22 maintenant. On a les convoyeurs. Convey All. Et je me dis, mais pourquoi on va pas prendre ça directement? Bah oui, ce serait bien, mais j'ai commencé à le scripter comme ça, et en fait, ça a tout cassé, chef. Erreur éluate partout. Bon, pour moi, la bonne solution, c'est quand même de le scripter avec ça. Mais le problème de ce truc-là, c'est que je ne sais pas comment ça marche réellement, parce que je m'en suis jamais servi. Mais vraiment jamais, hein, depuis que le jeu est sorti. À part la vidéo de Kevin où on voit le machin qui saute de partout. Mais voilà, je vais en prendre son moteur. Oui, alors il a quand même un problème, ce truc là, c'est que quand je l'achète, quand je monte dedans, il va voir qu'il a il est où? Oh la vache, cet engin. Voilà, bon, déjà faut mettre en route le moteur, jusque là il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que bah, ce bousin là, il est manipulable. Mon Trans Express ne l'est pas. Et le problème, c'est que quand je lui enlève les balises pour le manipuler, et ben le machin pète un plomb complet. Il y a des erreurs LUA de partout, c'est la merde. Donc, ben, je me suis dit, je vais lui remettre. Et puis je vais lui mettre les valeurs à 0, les valeurs de direction à 0 et la valeur d'avancement à 0. Ben, il n'apprécie pas non plus en fait. Donc je sais pas ce qu'il va apprécier, mais pour moi, je suis convaincu que c'est avec ce script là qu'il va falloir passer. Est-ce que je peux... On peut les trimballer, ces machins-là? Attends, parce que moi, je vous dis, hein, quand je vous dis que je m'en sers pas, je m'en sers vraiment pas. Il y a une attache quelque part. Où est-ce qu'on attache cette merde-là? Non, mais je vais pas me trimballer à 5 km/h avec cette merde, vous rigolez ou quoi? Je sais pas, je ne m'en suis jamais servi. Mais jamais. Je vous dis, la seule fois où j'ai vu ce machin-là à l'œuvre, c'est quand j'ai vu Monsieur Kevin faire ça. Alors, vous vous rappellerez tous de la vidéo de... C'est vrai que c'est rigolo. J'ai pas une touche X. J'en sais rien. Non. Genre... Mais attends, merde, je suis sur le toit, là. Je suis sur le toit, les gars, il y a un problème. Ah! Jusqu'à 5 km/h jusqu'au biogaz. Mais non, mais... C'est pas possible. Avec un tracteur, on peut. Allez, on va aller voir ça alors. On va prendre un petit tracteur. Non, mais c'est la panique là. Bon, ça, l'attache, c'est pas trop un problème. Hein. On arrivera toujours à attacher. Le script d'attache marche avec tout. Ça je me pose pas de questions. On l'attache par où? On l'attache par là? Ah ouais, ok, il y a une attache qui arrive. Je me disais, mais putain, mais comment on va attacher ce machin-là, quoi? Alors, quand il est attaché, il reste manipulable. Donc ça, c'est comme le script que... Ok. Hop là, vas-y, coupe-moi la gueule, je te dirai rien. Oh bah attends, on aurait peut-être pu rester... Pouf, non, on va se mettre... Alors maintenant, le truc qui me chagrine... C'est que vous êtes bien d'accord qu'il n'y a pas de prise de force, donc le seul moyen d'entraîner le tapis, c'est... Alors attends, on va peut-être le dételer d'ailleurs. Bah c'est le petit moteur qui est intégré. D'ailleurs, est-ce qu'il marche?
Ah oui, il marche. Ah oui, mais attends, non. Il marche parce que je suis monté dedans et parce que je suis en démarrage automatique de moteur. Voilà. Quand je descends. Voilà. On est bien d'accord que quand je descends, il n'y a pas de son. Le moteur, il est éteint. Et normalement, si je décharge quelque chose dessus, ça devrait fonctionner quand même. Alors, comment ça marche? On a quoi comme touche? On a... Ok. Ah ouais? Bon, on va aller chercher une petite benne. Puis on va aller regarder. Hein. Excusez-moi, hein, mais c'est live découverte hein, pour moi. Hein. Café découverte. Entre deux crises de toux. bon. Petite benne. Une toute petite. On va prendre la crampe. Salut DJ Pascal. Salut le chat. Hein. Je suis désolé, je lis pas trop les messages. Il y a une position de transport. Ouais, ok. Toujours pas remis. Les bronches. Tu vois, voilà. C'est un peu là. Ce soir, il y a le badminton. Ça va me faire sortir un petit peu tout ça, je pense. Bon. Alors. Ah non, non, faut que j'y aille, mais. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh oh, Roger! Eh oh! Alors, regardez, je parie que si je m'en vais, il va s'arrêter. Non? Même pas? Eh, Roger, reviens! Non mais... non mais ce soir j'y vais... Attends, non mais... Arrête. Ok. Non, non, ce soir je suis entraîneur des petits Vincent. Je vais pas jouer. Bon, comment que ça marche cette merde là? Oh putain de merde. Oui je sais, là toutes les erreurs, c'est toutes les erreurs du Trans-Express. Hein. Vous comprenez qu'il y a un petit peu de merde. On va mettre, je sais pas moi, du blé. Vas-y, rempli. Les pentes sont prises en compte maintenant. Bah tiens. Oh putain, mais qu'est-ce que j'ai été prendre un masset de merde, moi. Oh là 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 là, je vais même pas pouvoir manœuvrer. Non mais non. Allez, vas-y, marche arrière, ça va aller tout seul. Je peux décharger là-dedans ou pas? Ouais. Alors, le Trans-Express fonctionnera comme ça. Normalement, on va reculer dedans. On aura la même chose que ça. Alors, fais voir un petit peu. Ok, donc il détecte un fil volume. Non, même pas. Il doit y avoir un trigger. Donc, il détecte. On peut décharger un petit peu. Plus de place pour le blé. Pourquoi plus de place? Parce que le machin n'est pas en route. On est d'accord. Donc il faut monter dedans. Bah non. Bah va falloir m'expliquer comment ça marche, hein, mes biquets, parce que là... Faut mettre déchargé au sol. Ah, parce que j'ai pas la... Autant pour moi, parce que j'ai pas accès au terrain. Voilà. Et là, décharger ici. Alors, décharger ici. Oh putain, oh là là, c'est moche ce truc là. Mais attendez, ça, c'est... Il y a quand même un gros problème là. Ça marche pas comme je veux leur truc. Ah si, d'accord. Oui, alors ok. Ok. Eh ben. C'est bien ce que je pensais.
Le machin fonctionne, moteur éteint. C'est ça que je veux pas. C'est ça que je veux pas comme fonctionnement. Alors, il y a bien un truc, hein. Il y a bien un truc pour le... un bout de code à mettre, enfin, qui est dans le script du convoyeur là, dans celui-là, qui dit que il fonctionne même inactif. Donc là, en effet, il fonctionne même inactif. Mais moi, ça me va pas. T'as déjà vu ce qui fonctionnait correctement dans le jeu? Bah, je sais pas, mais là, moi, là, perso, ça me convient pas, en fait, comme fonctionnement. Ce qui est complètement con, c'est qu'ils ont fait un véhicule type spécialement pour ça, donc ils auraient pu faire un truc sur mesure. Bah ouais, mais c'est un peu ballot, quoi. C'est un peu ballot. Bon, ce qui me réconforte, c'est que comme les trucs de Giants sont codés avec le cul, je me dis que le mien peut aussi être codé avec le cul. Ça me rassure. Non mais c'est vrai. Si le leur, il a pas besoin d'avoir le moteur allumé pour faire du convoi, pourquoi le mien il aurait besoin? ça décharge pas là-bas, hein, chef. Je veux bien, hein. Vas-y. Ça, c'est rapide quand même, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même, entre le moment où ça crache là et le moment où ça va de l'autre côté, c'est une seconde quand même, hein. Le bien, s'il fait ça, Jens va le rejeter. Bah, je leur dirais d'aller se faire foutre. Et puis voilà. Le problème, c'est que tous les joueurs qui ne jouent pas en mode démarrage automatique du moteur, ça devrait être la configuration par défaut, c'est-à-dire que on devrait par défaut dans le jeu avoir une configuration qui dit que quand tu montes dans un tracteur, eh ben il faut allumer. C'est tout. Ah là j'entends le. Ok, ça marche. Le moteur est allumé, tu peux lancer le convoyeur, quoi, mais je vois pas comment sinon il pourrait être alimenté, le bazar. On n'a pas un petit moteur à l'avant. Bah non, parce que là je vois les. Non, c'est même pas ça. Là, on a bien le moteur ici du tapis qui est relié hydrauliquement à. Hop. Ah, au moteur là, quoi. Donc il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison. Ouais, bah... Fuck. Bruno Président, ah non, non, non. Non, non, mais c'est un peu con. Parce que là, le pire, c'est que là, j'entends le bruit du convoyeur. Mais pourquoi? Pourquoi j'entends le bruit du convoyeur? Le tracteur n'est même... Enfin... Il devrait même pas être actif, le convoyeur, il n'y a plus rien dedans. Attends, je vais pousser ça pour voir. Ah d'accord, parce que j'ai mis décharger. Et là, si je fais arrêter le déchargement... Ah d'accord. Ils sont pas bêtes, hein. Salut Jaco, comment ça va? Ça va mieux? Ah là là, bon, et ben écoute. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder le deuxième. À tes souhaits, attends, hop. Voilà. Donc moi, le mien, il a le petit moteur là. Alors regardez pas trop, hein, la 3D, les normal maps sont pas faites là sur le moteur, donc c'est un peu moche encore. J'ai voulu les faire hier et puis j'ai mon logiciel de 3D qui n'a pas voulu. Voilà, voilà, donc il me reste encore tout, plein de flexibles à passer là-dedans, à venir se raccorder là-dedans sur le panneau de commande. Il me reste les éclairages à mettre. Les animations sont faites, mais je les ai remis en commentaire, donc... Ouais, ça mérite un petit jeu code avec le cul. Je code avec le cul. Notre hymne. Si ça bug ou plante, je m'en fous, on paye pas pour tester. Je code avec le cul. La 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 la.
même si le marche pas, tu seras pas remboursé. Oh, la merde aussi pour trouver des pneus. Pour trouver des pneus sur le machin. Mais quelle merde. Il a des pneus de bagnole, ce truc-là. Bah ouais, mais les pneus de bagnole qu'on a là-dessus, ils sont un poil trop grands. J'ai été regarder, il n'y a pas un outil qui a des bons pneus. Alors finalement, bah, j'ai fait une petite mise à l'échelle sur le pneu. J'avais besoin d'une... Bah ouais, c'est des galettes. Bah oui, mais c'est vraiment ça. J'ai vraiment la bonne taille de pneu, là. C'est des galettes. Petit panneau de commande. Faut que je fasse un fil volume aussi, parce que pour le coup, l'autre là-bas, il en a pas. J'espère que... J'espère que la fonction fil volume va être compatible avec ce putain de script de convoyeur. Non, sinon... Tiens, il manque des écrous, là. Attends, je les ai là. Il manque des écrous, chef. J'en ai de ce côté-là, mais ils sont barrés de l'autre côté. Bon, il faut que j'aille voir ça. Convoyeur ou transborder? Alors, il aura la fonction de convoyeur, mais il sera dans la catégorie... il sera bien là. Je pense que je vais le laisser dans remorque à grain. Il sera là, je sais pas ce que vous en pensez. Parce que... en même temps... Enfin, convoyeur... C'est un peu ça aussi, quoi. C'est un peu ça, ouais. Sinon, pour changer un petit peu, je le mettrais bien là. Pense à mettre un réservoir pour avoir la jauge. Alors, je sais pas si je vais lui mettre une jauge d'essence. L'autre là-bas n'en a pas. Hein. C'est-à-dire qu'il fonctionne, tout le temps, il n'y a pas besoin de faire le plein. Est-ce que sur le motorisé, est-ce que je lui dis qu'il a une consommation? Vous voulez qu'on fasse ça? Ah, on peut, hein. On peut, je peux lui mettre un... Après tout, il a un gros réservoir ici. Je sais pas. Occuper un maximum de catégories. Moi, je suis d'accord aussi, ouais. Je suis d'accord avec ça, de le mettre en convoyeur. Une touche X pour le déployer, donc ça va déployer ça et la petite bavette, là. Qui n'est pas du tout en position transport. Hein. Normalement, elle doit être pliée à l'intérieur. Et voilà, quoi. Et puis, bah, tous les stabilisateurs, là, qui sont... Bah, là, ils sont sortis. Hein. Ils sont sortis. Normalement, ils doivent être rentrés dans la caisse, là. Bon, ce sera plus beau quand les normales seront faites. Et puis, qu'il aura tous les petits... Là, il manque tous les éclairages, là. Il y a plein de petits catadioptres sur les côtés. Les éclairages à l'arrière, la plaque... En fait, il manque tout, quoi. Hier, mon objectif d'hier, c'était globalement d'avoir la 3D d'exporter et mise dans le Giants Editor. Bon, c'est... Voilà, c'est fait. Ça m'a pris un peu plus de temps que prévu, j'avoue, mais c'est à peu près fait. Alors, on a un petit Sherrycan ici, là. Alors, ce que je comprends pas, il va falloir que je demande à Perard, parce qu'on a... on a deux réservoirs, là. On en a un petit bidon ici. Et on a le gros ici. Hein? Pourquoi deux? Il n'y a pas d'AdBlue dans ces moteurs-là? Et là, on va me dire que si. Non, j'en sais rien. Je sais pas. Je ne sais pas. Bref. Bref. Allez, on va acheter le deuxième. Parce qu'il y en a un deuxième, quand même. On va regarder un petit peu celui-là. Il y a des terrains un petit peu plus petits. Est-ce qu'il fonctionne pareil? Alors, on peut rentrer dedans. Ouais. Alors, attends. Celui-là, pour le coup... c'est moi ou celui-là, on peut vraiment... Ah si, on peut le déployer. On peut pas l'atteler. Je vois pas de système d'attelage, là. Hein. Attends, on va essayer, hein. Peut-être qu'il y a l'attelage magique. Que dalle! Que dalle! C'est peut-être celui-là dont on me parlait tout à l'heure dans le chat, là. Qui avait pas... De l'autre côté? Ah, alors attends.
Faut que je replie le bousin là. À l'arrière. Ok, ouais, mais attends, l'arrière. Il est où le cucu et où la tête-tête là-dedans? Vous avez vu le bordel? Et comment? Ah là! Attends, c'est ça l'attelage? Ah! Ils font de ces trucs maintenant? C'est fou, hein? Ne me demandez pas ce que le tracteur cyberpunk fait ici, j'en sais rien. C'est une vieille partie. Bon, c'est pas de ce côté-là, visiblement, il veut pas de la bagnole. Tracteur, peut-être. Salut Louis-Philippe. Eh bah ouais, c'était ça. Ok. Attends, faut que j'aille voir cette... Tut tut. Faut que j'aille voir ce système d'attache. Qu'est-ce que ça? Ah, oh, d'accord. Tout simplement avec la petite babarde. Bon. Bah... Donc celui-là, il fonctionne pareil. Bon, attends. On va le... Je peux le laisser atteler. Alors ça, c'est un truc aussi qui me chagrine. C'est que le truc est autonome, mais il est pilotable à l'intérieur du tracteur. Moi, ça me baisse. C'est quoi ça? Baisser quoi? La bande transporteuse. Où est-ce qu'il voit une bande transporteuse? Il y a un truc que je saisis pas. Oh putain, ça me gueule dans l'oreille. Salut Mathès. Bon, alors, vas-y, monte là-dedans. Eh ben, là, ça marche pas. Ok. J'entends même pas le bruit du moteur, les gars. Eh oh. Mais, il est bugué. Ah, il est électrique. Attends. Ça, c'est pas un moteur électrique, je suis désolé. Ah si, ça y est, je l'entends le bruit. Ah, fallait monter. Non, c'est pas élec. C'est juste que j'avais baissé le son parce que ça m'a gueulé dans l'oreille. Ok, donc on a bien le bruit du démarrage. Faut bien se mettre en mode déchargement. On a la vis sans fin, d'accord. Ok. Bon, ça ressemble déjà plus à ce que je vais avoir à faire avec une vis sans fin, tout ça. J'ai peut-être aller retaper le script de celui-là quand même. Alors moi, le truc qui m'emmerde, qui ne veut pas, c'est que bah, celui-là, il est... bah non, ah si, il a des petits moteurs. On peut le déplacer quand même. Bon, je vais faire un tour en mobilette. Je reviens, mémé, je vais chercher le pain. Bon, allez. Alors, voyons voir un petit peu tout le bordel. Bon, si tout va bien, ce soir, le Trans Express, il est scripté. Et je finis la partie 3D demain. Ouais, ce serait pas mal. Allez, vas-y. Putain, c'est du blé, bordel. Allez. Ah, là autre chose. Ah si, quand même. Alors, est-ce qu'il a un volume, celui-là? Non, il a pas de volume. Il a vraiment juste un trigger de déchargement et démerde-toi. Et du coup, ouais, ça décharge bêtement de l'autre côté, quoi. Bon. C'est quoi, on joue à quoi là? Celui qui a la plus grosse érection? Mais des... Ah putain. Ok. Ah
Alors attends, vas-y, décharge, décharge, décharge. Non, 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 attends, c'était bien, c'était bien. Attends, j'ai un truc qu'il faut que je teste. Il y a un truc qu'il faut que je teste qui me chagrine aussi. Pour le coup, il faut que je me remette en démarrage automatique de moteur. Allez. Je vais faire ça. Et vite, 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 vite. Faut monter dans haute. Hop. Vas-y. Ah, voilà. Alors. Ouais. Ouais, non, mais j'ai pas l'impression que le flux, là, il... C'est un peu merdique, non, le flux, là. Parce que moi, j'ai une petite subtilité, quand même, sur le Pérard. C'est que la tête, là, en haut, elle est orientable. Et ouais. Et du coup, ça va m'embêter, parce que moi, il faut que le flux puisse suivre correctement la courbure en fonction de l'orientation. Et croyez-moi que ça, c'est la merde. Mais vraiment la merde. Bon, ça va le faire, hein, mais... On va voir. Ça fait toujours chelou de pas utiliser la vis à grain. Comment ça? Allez, vas-y, hop. À ce jeu, le jaune va gagner, ouais, un petit peu, ouais. Mais bon, ouais, vous voyez un peu le truc. Là, ici, j'ai rien d'orientable. Faudrait que je vois peut-être avec l'autre là-bas, là. Faudrait que je vois le flux. Si, quand je le déploie, quand je le mets en haut ou en bas, est-ce que le flux, en fait, la courbure, elle suit un petit peu la forme? En gros, est-ce que c'est automatique ou est-ce qu'il va falloir que je fasse une animation, quoi? Eh ben, on va voir ça. Alors, vas-y. Décharge et... Hop. C'est parti. Vas-y, Roger. Hop. Alors là, ça décharge là-bas au bout. Ah bah, il se passe rien. Bah, eh oh. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah. Ah, parce que je suis pas en mode déchargé. Ah, bah oui. Eh, j'ai du mal à m'y faire, hein, ces machins-là. Hein. Oh putain, déjà... Eh, je crois que j'ai déjà la réponse à ma question. Je crois que j'ai déjà la réponse. Je sais pas si vous avez vu, là, le machin... On est en pente. Et regardez le flux, il est... Droit. Enfin, droit, non. Incliné. Donc je crois que j'ai déjà la réponse à ma question. C'est de la merde. Regardez ça. Eh bah ouais. Ah là 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 là. Oh là là. Mais c'est une catastrophe ce flux. Il est... Il a rien. Il a rien pour lui quoi. Ah putain si, il suit un peu la courbe. Oh. Putain mais là je crois que ça mérite. Je code avec... Ah ouais ça mérite. Je suis désolé hein, mais... Autant l'autre là-bas c'est à peu près cohérent. Autant celui-là non ça va pas quoi. Avec le cul. La courbure elle est inversée. Comme s'il y avait du vent. Ça, la courbure elle est comme ça. Non mais c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ah putain. Eh ben c'est pas gagné les gars. C'est pas gagné du tout hein. Bon, revenons à notre petit machin là-bas, là. On va prendre un tracteur, vite fait. Non, il n'y a pas besoin de tracteur. Hop, on va y aller avec ça. Je vais aller regarder vite fait le script de mon pépère là-bas. Alors, qu'est-ce que je lui avais remis comme balise? Je lui avais remis une balise convoyeur ou... Alors, fais voir un peu. Attendez, excusez-moi, je vais ouvrir vite fait. Non, je lui ai pas mis le script de convoyeur. Alors, j'ai dû remettre le script de convoyeur. Alors, attention, ça va être le crash, hein, je vous le dis tout de suite. Non, attendez, je vais faire autre chose. Je vais faire autre chose. Je vais aller voir juste un petit truc. Alors, data, véhicule. C'est quoi la marque, là, du... Méridian, et c'est le petit, là. Ah, attends, c'est pas possible.
C'est pas possible. Et elle, 12-39. Ah, mais attendez. Attends, ils ont pas scripté ça pareil. Hein? Je bosse le truc. Ah, si. Bon, attention. Explosion. GS, véhicule, reload. Et là. Oh! Attends, j'ai une erreur et du A. Ah, j'ai. Voilà. Voilà les erreurs et du A. Ah, quand on recharge un véhicule qui n'est. Ouais, voilà, il pleut des bagnoles, les mecs. Ah, ouais, ouais. Le bouton rouge. Bon, vous comprenez maintenant mon problème, mon désarroi. Attendez, on va... Voilà, donc là, il est rescripté correctement. Attendez, on va... Ah merde, je suis sur le toit. Ah merde, c'est ma bagnole qui est sur le toit. Oh putain. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Non mais le problème c'est que j'ai pas le temps de dire les erreurs et l'UA qui s'affichent. Donc faut que j'aille vite fait dans le log. Et à mon avis le log c'est plus un log, c'est un dictionnaire. Oh bah oui. Oh my god. Ok, je crois avoir compris les balises qu'il a besoin. Alors attendez, je vais juste vérifier un petit truc. Pipe, non c'est pas ça. Non, 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 eh ben non, mais non. Mais pourquoi? Bon, là c'est le discharge node qui fait chier. En même temps, c'est un peu normal, j'ai rien scripté encore, donc... Donc là il est pas content, il cherche le truc. Ouais. Vous savez quoi, je pense que je verrai ça en off après, parce que là c'est mort, là vous allez me voir silencieux, les yeux rivés sur l'écran à éplucher du code. Donc voilà. Mais bon, vous voyez un peu le genre de problème qu'on rencontre. Hein, donc là en fait ce qui se passe c'est que je lui ai dit utilise la fonction convoyeur à tapis. Donc, c'est pas trop mal. Bonjour Nico. Quoi, Nico est dans le... Et par là, j'ai pas vu. J'ai pas vu Nico, moi. Mais bon, j'ai l'impression que c'était un peu abusé. Ouais, en fait, je lui ai dit, tu utilises le script du convoyeur à tapis. Et en fait, dans le script de convoyeur à tapis, il y a des choses qui lui manquent. Dont le discharge node. Et en fait, ça déclenche une réaction en chaîne et... Blaah. Et si je lui dis... Mais tu n'es pas un convoyeur à tapis, tu es un transbordeur. Et bah là, il fait explosion parce que en fait, un transbordeur n'est pas censé avoir un moteur. Et on ne peut pas monter dans un transbordeur. Voilà. Pour vous la faire court. Donc je vais aller rééplucher celui-là correctement. Je vais l'importer dans mon i3D. Je vais repiquer toutes les parties indispensables au fonctionnement du... Comment il s'appelle le truc? Convoyeur Belt. Et normalement, ça va le faire. Salut Charlie. C'est la première fois que tu regardes un live sur Twitch. Tu fais quoi d'habitude? Tu regardes des rediffs? Tu nous suis sur YouTube? Ouais, il est en train de creuser le sol, le bazar. Attention, ne mets pas ton doigt, petit scarabée. Ah, je l'ai mis, cette petite vignette, là, aussi. Qui dit, attention, si tu tombes dedans, tu vas être aspiré. Et tu vas ressortir en pâté pour chat de l'autre côté. Mmh. Ouais, mais... Bon, quelqu'un peut me rendre ma bagnole, là, ce serait pas mal, quand même. Bon, comme vous voyez, il y a un peu de boulot. Hein. Donc, ce matin, c'était pas vraiment un live. Hein. C'était vraiment... La découverte pour moi sur les convoyeurs, on peut regarder d'autres convoyeurs, hein, mais je pense que de toute façon ils ont tous la même. Ils ont tous la même fonction. Ah peut-être. Ah ouais, mais celui-là, il a pas de moteur.
Est-ce qu'il a un moteur, celui-là? Alors, attends, le Grim SL80. Je vais aller regarder le code vite fait. Grim SL80. Alors, il est vu comment, lui? SL80, le voilà. Ah bah, il est vu comme un con. Alors, attends. Bah, s'il a un moteur. Si, il a un moteur. Il a un moteur, et en plus de ça, il a les roues motorisées. Fais chier! Il est où? Il y a. Ah bah ouais. Attends, on peut vraiment embaucher un ouvrier? Alors, par contre, ce qui est cool, c'est qu'il a la fonction... Ouais, ça c'est bien. Pas mal. Il a une fonction de déploiement, donc ça c'est pas mal parce que je vais en avoir besoin. Je vais aller regarder vite fait dans le code. Alors attends, c'est où? Donc il doit avoir un foldable quelque part. Ouais, donc c'est bon, ça me rassure, c'est que ça fonctionne avec. Convoyeur belt. Ok. Mais attends. Salut Gaming Steve. Alors par contre, ils ont tous un truc là. Ah bah non, lui il a pas. Merde. Bah non. Il y a des trucs que je comprends pas. Lui il a une fonction que les autres n'ont pas. Alors que pourtant, attends, hop, pourtant ça marche pareil. Il a juste un effet. Attends, vas-y, hop, oh là là, cette érection. Waouh. Bah ouais, il fonctionne pareil quoi. Enfin, là, il n'y en a pas un qui est scripté pareil quoi. C'est ouf. Ça, c'est pour les patates et le lizard. Ah bah le lizard, lui, il a pas de moteur. Alors attends, on va falloir m'expliquer un truc. Il est actionné comment, le Lizard? Ah ouais, non mais là, attends, là on est sur FS15, les gars, là. On est sur FS15. Vous êtes en train de me dire qu'on a un moteur qui n'a même pas de flexible? Ah oui, là oui. Là on sent que c'est un vieux bazar. On peut le déplacer? Mettre le moteur en marche? What? Alors, là, vous savez quoi? Là, ça répond... Ça répond à une de mes questions. Ça répond à une de mes questions. Quand j'essaye de scripter mon convoyeur sans motorisation de roue, j'ai des erreurs LUA. Et je vois que Giants, sur un truc qui n'a pas de moteur, ils ont quand même mis la possibilité de déplacer l'engin. Donc je pense que, en fait, ils n'ont pas prévu que ça n'ait pas de moteur. Bah, je vois que ça, les gars. Moi, je vois que ça. Non, non, mais je découvre les convoyeurs. Mais moi, Kevin, mais complètement, je ne me sers jamais de convoyeur. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et puis, ouais, quand je vois le truc un peu dégueu, là... Ouais. Activer, non, déployer. Hop, ok, vas-y. Bah, ça marche même pas, en fait. Excusez-moi, hein, on a un petit problème technique, quand même. C'est que là, ça marche même pas. Et pourquoi il a une attache, alors qu'on peut pas, on peut pas replier? Pourquoi? Ah bah si, on peut le déplier, ça. Mais ça sert à quoi? Oh, j'ai mal au crâne. J'ai mal au crâne. Ah bah celui-là... Je code avec le cul. La 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 la. Celui-là, il bat tous les records. Si ça veut bouclant, je m'en fous, on paye pas pour tester. Je code avec le cul. La 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 la.
Même si le programme marche pas, tu seras pas rembourseur. Alors, coder avec le cul, oui, mais il y a un truc qui me plaît quand même. C'est que... alors, attendez, on va aller voir un truc. Faut qu'on aille voir le code de celui-là, parce que... pour le coup, on est d'accord, il a pas de moteur. Il a pas de moteur, il a quand même un kilomètre heure, un marche avant, marche arrière, point mort. Donc il a forcément un moteur dans son code. Par contre, il y a un truc qui me plaît. C'est qu'avec la touche B, il y a marqué « Activer la bande transporteuse ». Et c'est pas... alors attendez, c'est peut-être parce que je suis pas sur le bon truc. Faudrait que j'aille côté terrain voir s'il y a un truc avec marqué « Décharger » ici. D'accord, Jaco. Ok. Je savais même pas. La petite roue qui est motorisée, et tu le vois où le moteur ? Je sais qu'on s'est tout miniaturisé aujourd'hui, mais quand même, quoi. J'arrive, hein, j'arrive, vous pressez pas, hein. 5 km/h, je vais chercher le pain. Hein. Ah, ça y est, déchargé ici, ok. Donc le déchargé ici apparaît. On est d'accord. Pillé, je m'en fous, je sais pas, ça va plus me faire chier qu'autre chose, ça, non ? Et là, regardez, j'ai la touche B, activer la bande ou désactiver la bande. Alors, ça marche pas, en fait. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Attendez, faut que j'aille voir le code de ce bazar. C'est pas possible. Comment ça s'appelle ce truc-là ? Lizard quoi ? S710. Il y a un truc qui me perturbe là. Pourquoi on peut et l'activer et le mettre en déchargement ? Moi ça m'arrangerait perso, hein. J'aimerais bien avoir cette fonction-là. Alors, Lizard. Oh, Lizard ! OPQL, Lizard. Hop. S710. Ah, alors lui, il a une nouvelle fonction. Qui n'est pas Convoyeur Belt, qui est Pick-up Convoyeur Belt. Donc lui, il a une fonction de Pick-up en plus. Alors, il a bien le motorisé. On peut le monter, on peut entrer dedans, on peut le conduire. Mais... Et il a le chevel, donc, qui permet, donc, c'est la fonction godet, en fait, de ramassage. Ok. Ça m'intéresse pas. Et du coup, c'est pour ça qu'il a une fonction, en plus. Bon, attendez, on va faire un essai d'un truc. Salut, Agrissim, ça va. En mode découverte du fonctionnement des convoyeurs, puisque il y en a un scripté, et en fait, je me rends compte que j'utilise tellement pas ces machines-là. il est fait pour prendre des tas au sol. Ouais. Bah ouais, mais... Ah, attends, on va se mettre un truc par terre, là. On va en faire un tas au sol. Donc là, il y a un tas au sol. Et donc, ce bazar là-bas, il faut l'activer, je suppose, c'est ça ? Ah, mais moi, c'est pas ça que je veux. Non, moi, c'est pas ça que je veux. Là, il faut que je fasse B. C'est ça, il faut que je fasse B. Ah, ok. Quand je fais B, ça active quoi ? Ça active la fonction godet. Ok. Et alors là, il faut que je mette décharger. Décharger ici. Ok. Je comprends mieux. Bon, là, il me fait 3 petites crottes par-ci, par-là. Ça sert pas à grand-chose. Et alors, au niveau de la capacité, il a combien ? 500 litres. Ok. Donc, il est capable de bouffer 500 litres. Et de les garder, mais c'est pas affiché, ok. Ouais. Faudrait faire un cours à Bruno, bah, sur ces machines-là, tellement.
La seule fois que je m'en sers, en fait, je m'en suis servi, ça a dû être quand il y a eu le pack Grimm et que je me suis mis à refaire de la patate. Sinon, non, je fais pas. Je fais pas, j'ai pas l'usage. J'ai pas d'usage et le seul usage que je vais avoir du Trans Express, ça va être d'acheter des poids lourds pour pouvoir aller déverser sur une benne de poids lourds en fait. Et c'est tout. Mais ça c'est de toute beauté quoi, mais c'est... ça se mange sans fin. Non mais c'est nul à l'usage en fait le truc Lizard là. Et on a encore d'ailleurs, regardez bien le déchargement, on a encore un truc complètement courbé qui est pas du tout réaliste quoi. Bon, de toute façon il y a un truc qui est pas réaliste, c'est que je puisse aller me promener avec alors qu'il n'y a pas de moteur. Bon j'avoue, c'est pas trop mal s'il y a besoin de faire une petite manœuvre. Imaginons là par exemple avec le Trans Express. Vous mettez ça à côté d'un camion, vous avez besoin de le déplacer un petit peu pour faire un tas uniforme. Ouais, pourquoi pas. Donc je garderai peut-être la possibilité de le faire avancer et reculer. Par contre, moi j'ai pas de roue directionnelle, hein, donc ce sera avant-arrière. Et c'est tout. Et c'est tout. Ce sera déjà pas mal. Bon, je pense que j'ai fait un peu le tour, j'ai compris un petit peu plus le mécanisme. J'avais besoin de cette partie pour voir un petit peu plus en détail pourquoi j'avais des erreurs. Je vais reprendre mon script de zéro, je crois, déjà. Je vais partir en base de travail sur... alors, pas sur celui-là, mais sur le rouge, là. Qui, pour le coup, utilise en plus une vis sans fin, donc c'est vraiment ce que j'ai besoin. Attends, faut être un peu plus rapide sur la souris. Et 1 et 2 et... Ah ! J'avance comme un ver de terre. Attends. Hop ! Bon, c'est rigolo. Le petit numéro 1 s'amuse, mais trop. Si je fais ça, là... Attends, je manœuvre. Tut, tut, tut. Eh ben, non, ça marche pas. Non, lui, par contre, faut vraiment baigner dedans, quoi. Méridian. Ok, bon, moi les gars, je vais aller scripter. Il n'y a plus qu'à. Pour le petit Lizard Giant, c'est part du principe qu'il est tellement léger qu'on peut le déplacer à la main. C'est vrai? Non, je peux pas. Tu parles. Ouais, c'est vrai que... Si, c'est vrai que c'est pas bête comme idée. Hein. Potentiellement. Mais pourquoi lui mettre un moteur dans ce cas-là? Il aurait fallu lui mettre un poids... Mais c'est vrai, hein, concrètement, un truc comme ça, oui. Ouais, ça peut être dépassé comme une remorque. Hein. Là, ça commence déjà à être un peu plus sérieux, mais peut-être à 2-3, ça se bouge, quoi. Pas de raison. Y a pas de raison. Bon, ça va la parklouse ici? Je peux récupérer ma bagnole? Est-ce que je peux, je sais pas, on va essayer de... Non, je suis coincé. On va essayer de l'acheter peut-être. Est-ce qu'il va me le recharger avec le mode... attends, fais voir. Je pense qu'il va même pas apparaître au shop. Ah si. Si, si. Ouais. Au niveau des stabilisateurs, qu'est-ce que vous préférez? Avoir une animation avec la souris qui sort les stabilisateurs et qui replie les roues, parce que je vous rappelle quand même, je vous ai pas montré, hein, mais les roues se replient. Donc en fait, les roues, elles font comme ça. Tac, et ça pose le truc au sol. Est-ce que vous préférez ça au contrôle souris ou alors quand on dételle? Parce que là, en fait, je l'ai mis quand on dételle, mais je suis pas convaincu du truc. Une touche position de travail route. Mais en contrôle souris, ça peut être plus sympa peut-être pour rétracter ou pas les stabilisateurs. Je sais pas trop en fait. Faut que je vois. L'animation elle est faite,
Donc déjà, voilà, il y a juste à dire avec quoi on déclenche l'animation en fait. Contrôle souris, une touche. Est-ce que je mets une touche déployée et dans ce cas-là, ça déploie la buse et ça vient stabiliser, ce qui est d'ailleurs à peu près logique. Parce que le camion là, l'armorque du camion, vous allez la mettre ici. Donc on est loin, on peut déployer les stabilisateurs sans problème. Alors par contre, si je déploie les stabilisateurs, j'aurais plus le contrôle. Ah, par contre, quand on déploie les stabilisateurs, les roues touchent plus le sol. Ça veut dire que vous pouvez toujours monter dedans, faire avant-arrière, les roues elles vont patiner dans le vide. On peut faire ça, stabilisateur, touche X, on déploie, et on déploie quoi? L'intégralité de la machine. Une seule touche, hop, la buse, elle se met en place, le petit flap, là, le petit volet, il se met en position d'accueil du déversement, et les stabilisateurs se mettent en place. Finalement, c'est conforme à la réalité, puisque avant de mettre tout ça en route, hein, normalement, on déplie, hein. J'ai une vidéo hein, où on voit les mecs, hein, il vient avec ta bagnole, il le pose dans un champ et tac, ils viennent à la main tout déplié et puis roule quoi. O la buse et X le reste. Normalement quand tu t'en sers, t'es pas censé être resté attelé à ta bagnole. Parce que vous êtes bien d'accord que quand on fait une petite marche arrière avec un tracteur, bip bip bip, boum. Et c'est pas pour rien qu'il y a des grosses bandes en caoutchouc ici. Parce que on sait très bien qu'au bout d'un moment, il y a la carlingue qui va taper là-dedans. Donc, si en plus vous êtes attelé à la bagnole, je vous raconte pas l'attelage sur le long terme, comment il prend dans sa gueule. Donc, je sais pas. Je suis plus partisan du « on dételle et on fait une touche pour déployer ». Je sais pas. Non, vous préférez deux touches? Je sais pas. Et en même temps, Flo, O pour la buse, X pour le reste. N'oublie pas qu'on a le droit qu'à une fonction pour le foldable. Donc en fait, ce sera déployer. Donc je déploie quoi? L'engin ou la buse? Ou je fais déployer. Il y aura bien marqué déployer, ce qui est logique au niveau du script, au niveau du texte. Déployer et on sort tout. Fafa est d'accord avec ça. Et Nico, ouais, exactement. De toute façon, oui, il y aura un contrôle souris pour l'orientation hein, obligatoirement ici. Hein. Il n'y a pas trop de choix. C'est classique pour les buses en fait. Après, pour l'activation, bah, l'activation, ce sera un déchargé ici. Et d'ailleurs, le décharger ici. Tiens, faut que je fasse un essai d'un truc. Faut que je fasse un essai d'un truc vite fait avant de vous laisser. Que je sois sûr quand même que ça marche comme ça. Je vais reprendre. Tu peux en prendre deux. Hop, deux tracteurs. Et. Il me faut un petit convoyeur, mais celui-là, là. Voilà. Alors, je voudrais juste tester un petit truc vite fait. C'est au niveau de la détection. Donc là, je suis sur un sol où normalement, je n'ai pas le droit de décharger. On est bien d'accord. Est-ce qu'on a bien la fonction décharger ici qui s'active correctement quand on a une benne en dessous? On va au moins vérifier ça. Normalement, oui. Normalement, oui. Mais non. Ah. Merde, ah putain, vas-y, accroche. C'est vous les bagnoles.
Tit-tit, grosse pute. Lui, il prend. Ok. Ah bah si ça marche, par contre. Non, non, bah c'est bon. Il n'y a pas la fonction décharger ici qui s'active, mais ça prend bien en, ça prend bien en compte. Ok, c'est cool. Bon, bah... Il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Il n'y a plus qu'à scripter tout le bordel. C'est vrai que c'est un peu déroutant hein, quand on mode un outil qu'on n'a jamais modé. Donc là, pour le coup, un convoyeur, j'en ai jamais modé. Et que dès le démarrage, on se retrouve avec des erreurs EDUA et l'impossibilité d'afficher le mode en jeu. Là, vous le voyez, mais si je lui dis « tu es un convoyeur », bah voilà, vous avez compris. Hein. Et en fait, il disparaît. Donc, bah, déjà, il va falloir que j'essaye de mettre toutes les balises que le convoyeur a besoin dans XML. Et après, bah après c'est croisement de doigts à mort, et voilà, il n'y a plus qu'à, quoi. Et enlever les erreurs. On va entendre le moteur forcer quand la bus fonctionne. Bah non, Flo, du coup, puisque en fait, si tu regardes bien, ce truc-là, tu peux monter dedans, le mettre en route, mettre le moteur en marche, hop, voilà. Et en fait, si je l'éteins, et bah, il marche quand même. Attends. C'est nul! Bah oui. Complètement. Regarde. Là, il est éteint. Mais ça marche. Donc, t'entends même pas le bruit du moteur, en fait. Alors, oui, Nico. Alors, l'autre Nico Pix m'a dit hier, mais scripte ça comme un Jens. Comme les gens sur le 19, mais en fait, c'est encore pire. Ça... Non. Ça marche pas. J'ai l'impression qu'ils ont un peu tout revu. Après, dans la logique, c'est vraiment... c'est vraiment le script de convoyeur, en fait, qu'il me faut. C'est un convoyeur. Alors que l'autre, il a vraiment le script Woodcrusher, là, et il y a des trucs qu'il veut absolument et que je peux pas mettre, quoi. Enfin bon. Après, ouais, il y a besoin... Mais en fait, hier, Nico, j'étais à partir à faire un véhicule type perso. Et ça marchait. Et puis c'est là que j'ai vu les convoyeurs. Et je me suis dit, mais en fait, je suis con, pourquoi je fais un véhicule type perso? Alors qu'on a, on a un script qui est là, quoi, qui est présent et qui... dit. Donc je me suis dit, bon, j'ai commencé à mettre le script convoyeur et là, bah, ça a tout pété. Mais bon, donc non, non, mais ça va le faire, Nico. Y a pas de souci. J'étais juste un peu en panique parce que le mode, ça faisait ça, mais voilà, bon, ça va le faire, ça va le faire. Bon, bah écoutez, j'ai envie de dire, y a plus qu'à. C'est pour ceux qui jouent avec l'option démarrage automatique. Bah, c'est pour eux, en fait. Pour eux. Et c'est vrai que le jeu, à la base, a le démarrage automatique. En fait, leur script convoyeur, ils auraient dû prévoir, sachant que la plupart de leurs convoyeurs sont motorisés, enfin, même tous, bah, ils auraient dû prévoir un démarrage, en fait. C'est là que c'est con. Ce midi, le jeu avec les dragons, bah, oui. Ouais, ouais, il faudrait. Faut que je télécharge, déjà. Je vais le mettre en DL, et ouais, ouais, on va regarder ça. On va se faire une petite pause. Bon, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais me reprendre un café et me mettre des œillères. Et go scripter avec le cul ce machin-là. Rendez-vous ce midi pour un jeu qui s'appelle Fire and Steel, je crois, qui est un jeu, d'après les premières images... oh, merci, Nico. Merci, Nico, 1708. Je suppose que 1708 n'est pas ton année de naissance. Je dirais plutôt 1708. Le pack Perard est prévu pour quand? Eh ben déjà, il faut qu'il marche. Alors, pack Perard, l'avancement, il me reste celui-là à scripter, il me reste... il me reste le chariot de coupe. Le chariot de coupe, ça va être très très rapide.
Il me reste toutes les normal maps à faire de tous les véhicules. C'est pareil, ça va être très rapide. Et j'attends les interbennes de Nico. Il m'en a envoyé une hier. Et la deuxième, je crois que ça va être à moi de la scripter. A priori. Donc voilà. Pardon. Le stream du midi, c'est ici. Il n'y a pas le choix, Rockabilly, maintenant qu'on a le partenariat Twitch. Tous les streams se passent sur Twitch. Pense à follow sur Twitch. Bah ouais, ce serait peut-être mieux déjà. Un petit follow et puis tu auras le petit mail ou un petit truc, quoi, tu vois. Une petite notif, quoi. Bon, allez, moi je vous laisse là-dessus. Donc ce midi, je disais, c'est le jeu Fire and Steel, un jeu dans la série des Panzer Dragoon, d'après ce que j'ai cru voir. Et t'as déjà follow, mais pourquoi tu devrais avoir un petit icône normalement si t'es follow, Rockabilly. Non? Nos followers n'ont pas un petit truc? Et sinon, oui, sur Discord, dès qu'il y a un live qui commence, petite notif sur Discord. Bon allez, go les gars, moi je vous donne rendez-vous ce midi, entre midi et midi 30, le démarrage du live, ça dépendra de comment j'ai la tête là-dedans. Salut Jacques. Il m'a dit qu'il voulait me parler. Ouais, hey, Nico. Nico, si t'es là, tout de suite maintenant, amène-toi, je vais sur Discord. Allez, pour les autres, à ce midi. Ciao tout le monde.